À peine commencé, à peine connexion lente. Ah! Et ma samba, moi, Nanini. Nanguna biba. Nanguna biba. Nanguna biba. Nanguna biba. À peine commencé, à peine connexion lente. Bateau vraiment, à peine commencé, à peine connexion lente. Partagez s'il vous plaît. On va faire vite demain. M'soua Kenemisala. Oh, Rossi Mikiliste. Assalam. Bonsoir à toi, Rossi Mikiliste. Permettez-moi de partager parce que. On ne peut plus faire les directs sur notre page. Le Fils de la Promesse, la page a été signalée et j'ai eu une interdiction de 3000. De 3000, je ne sais pas combien de jours. Donc, plus de 9 ans, chers amis. C'est fou avec Facebook. C'est fou, chers amis. C'est fou. Donc, sur la page, on ne peut plus faire des vidéos. Sauf si il faut partager, juste partager. Donc permettez-moi de partager et aidez-moi à partager. Aidez-moi à partager, s'il vous plaît. Masalamoko, pour permettre à nos amis de savoir qu'on est en direct. S'il vous plaît. Please. Please. Et maman, maman, Nanini. De Charlem. De Charlem, au Fazette, grand frère. La trahison au sein de Zian est-il. Bon. Ah, les Congolais. Congola go bomiso hein. Congola go bomisa moto. Le grand problème avec le Congolais, c'est l'argent. C'est l'argent, chers amis. Conviction, détermination. Et belé bazan angote. Permettez-moi vite faire, je vais juste partager vite faire. Désolé. Par contre, on va commencer, je vais vous mettre un audio vite fait. Le temps là, que je suis en train de partager.
C'est plus mieux, non? C'est plus mieux. Il faudra que tu aies moi, tout le mixer moi, Banzembo. Mixer moi, Banzembo. Le toit n'a pas. N'a partagé vite fait. Partager vite fait au salon, moi 20 minutes, 30 minutes vite fait. Changement de la constitution en téléchargement. Distraction. Naba congolais. Alors que vous préparez un vrai coup. Quand on vous parlait de l'affaire des Rwandais, les gens prenaient ça à la blague. Et aujourd'hui, les gens commencent à se réveiller. Oh, ah bon? Ah bon, comment la mouga? Ah. La trahison chez les Congolais. La trahison chez les Congolais. L'argent facile chez les Congolais. C'est ça le grand problème. La femme, l'argent, avec les hommes politiques, dans le milieu congolais, c'est le seul problème qui tue le milieu congolais. Les autres communautés ont dépassé ce côté-là, c'est vrai. L'affaire de la femme, ça reste toujours... On peut dire les gens se servent de ça pour faire tomber les têtes. Mais au sein de la diaspora congolaise, au sein du gouvernement de Brazzaville, ils ont fait ça leur cheval de Troie. Donc, à la dernière minute, quand ils n'arrivent pas à t'avoir, ils te placent une femme. Ils te placent une très, très une bonne, une très charmante dame au milieu de vous. Qui sera avec vous. Qui va jouer le jeu. À la dernière minute, là où vous attendez pas, là. Quand elle va taper, là. Quand elle va faire sortir les choses. Les gens, boum, les gens vont seulement croire à cette personne. C'est la spécialité du PCT. Déstabilisation, chantage, division pour mieux régner, que ce soit au Congo, que ce soit dans la diaspora. Aujourd'hui, ce que Faye vivait hier, c'est aujourd'hui que mes aînés, les INTV, les Sir Makoso commencent à comprendre. Voilà pourquoi au départ je faisais des vidéos avec le Natika Mamba Soutan. Namon hier a tenu normal. Mais comme Mamon a l'obaga hier, ça se réalise. Il y a mon Azoriel Bino Soutan pour nous rappeler Bino que je suis votre prophète. Pour vous rappeler que je suis votre prophète. Destin Mwanda. Ce que les gens avaient comploté contre Faye, ils sont passés même sur Ziana TV. On leur donnait le plateau de Ziana TV. Pour salir l'image de Faye, pour salir la famille de Faye, pour salir ma mère même. Mais aujourd'hui, je dis, ce Dieu que je prie là, son deuxième nom c'est le temps. Aujourd'hui, nos aînés là, de Ziana TV, Landry Deco, l'ampleur qu'il est en train de prendre, ah, il subit la même chose, la trahison ou la déstabilisation. Voilà, vous blaguez avec la célébrité, hein? Être connu c'est chaud, être connu, il faut te préparer, ça augmente le nombre de tes ennemis. Être connu, ça fait envier les gens. Être connu, ça pousse à certains. Tu influences la vie des gens sans que tu te rendes compte. Moi, il y a des jeunes, que je ne citerai pas les noms, qui sont aujourd'hui sur TikTok. Ils vont se reconnaître. Qui sont rentrés dans ce combat de la dénonciation. Quand je suis rentré sur TikTok, j'ai cassé. J'ai cassé les papos sur TikTok. Les jeunes ont récupéré. J'ai tentative de connexion, tentative de... Mettez les cœurs, tentative de connexion. Mettez-moi les cœurs. C'est gratuit. La page a été bloquée pour 3000 et quelques jours. 3000 et quelques... Donc, on va faire 9 ans. Divisé 3000 et quelques jours, fois 365 jours de l'année.
La punition qu'on m'a donnée sur Facebook, parce que ça, ils savent. La voilà, ça porte. Partage. Mettez-moi les cœurs, non? Non, vous tiens cœur, vous banga. Vous tiens cœur. Et ça, politique, ben. Pour nous pousser ma cœur. N'a révélé Bino Makambo. N'a rappelé Bato. Makambo n'a l'obaga hier, ils ont salamalé. Oh. Chers amis, nous avons partagé même un mot parce que ce que nous avons dit là, Congolais, à vous féliciter. Mais Congolais, pe moto, à qui nous liker, tant que nous salon mabi, à qui nous soutenir, tant que nous salon mabi. C'est ça le Congolais. Même pour partager là, vous n'arrivez pas. Pour mettre juste les cœurs, vous n'arrivez pas. Yaba Nabino, Naza prophète Nabino, y'a combat Oyo. Na utika la ka prophète Nabino. Parce que ce combat là, je le fais pas ou je l'ai pas commencé. Parce que mon père était dans le gouvernement qu'on avait viré. Que ma tante ou ma mère était dans le gouvernement qu'on avait viré. Non. Je me suis réveillé. Les amis avaient des problèmes de la bourse depuis l'Ukraine. J'ai dit non, ça ne peut pas passer. On va dénoncer. Je suis rentré dans ce combat de la dénonciation depuis l'Ukraine 2010, sans pourtant que je sois boursier. Je suis rentré dans ce combat sans pourtant que je puisse avoir un petit frère qui avait eu des retards. Et je suis rentré parce que les Congolais réclamaient leur bourse. Et mais connexion lente, vraiment, on a comprendre encore. Tiens. Bonsoir Christy Britel. Bien. Vous dire notre nous maintenant audio le temps que nous avons partagé. Parce que ce tout vendu caca connexion on a zoomé là. Ils ont lombiné. Là on a deux sujets ce soir à parler vite fait parce que là il est pratiquement 23 heures passées. Et puis lobby bateau à Kibamisa là. Bateau à Kindeba Cop. Donc on va pas perdre le temps ici. On a deux sujets. Sur ces deux sujets, vous le savez très bien. Le changement de la constitution en cours de téléchargement. Au moment que la diaspora va plonger dans la distraction. Suivez bien mon regard. La diaspora va tomber. Va rentrer dans une distraction. Féroce. Les Congolais de Brazzaville vont rentrer dans la distraction féroce. Il y aura certains jeunes qu'on va utiliser dans des réseaux sociaux pour venir ramener des débats à la camp, pour désorienter les Congolais de ne pas suivre la situation du pays. Et à partir de là, ceux qui sont en train de comploter leur plan, ceux qui sont en train de préparer leur plan machiavélique, vont mettre en place leurs règles. Bonsoir. Ils vont mettre en place leurs règles. Comment se perniser au pouvoir? Comment se terniser au pouvoir? Entre temps, tout yo kanani audio o ya moninga à cela qui a binga, à cela appel à la mobilisation y a ba congolais. Et toi, on a monté la partage. Tokotika la kondimate que tout le monde a les sous
soldat militaire rwandais na munduki papa na maman na libota bozana ndako bakomi ko imposer papa siba mwana na yo a mwasi bakomi ko imposer mwana mobali siba maman na yo bakomi ko imposer maman asala ba biloko oyo esengi la sala te devant bana na ye kuboma bantu a vis-à-vis devant les parents on va tuer l'enfant devant son père on va assassiner sa femme devant les enfants donc kokata basi ba mabele kokata basi ba ndoto na bango basi kokata basi ba makolo ba mibali kutu kolobati nous on n'accepterons plus jamais et au grand jamais que cela arrive au Congo Brazzaville toza na posa to mona bosoto wana te sasou yo ki flamasonerie na yo kenda kozwa na ba poto kuna oyé okosa biso ke non to na nemi ba mikuwa to ki ba os. Il y a des brasana lobabouye. Yo, est-ce que tout n'a eu ça la radio? Est-ce que biso la Congolais, tu en as posé ça, mais quoi, il y a des brasans, ou la koufa, ce qui est plutôt évité. Ce qui a découvert Congo. Mais c'est pas mauvais. Mais avant Ayaka, Congo, les Alaka, Congo. Nous, on fait partie du Congo d'un côté là. Donc, on s'en fout, il y a des brasans. Pour eux, qui sinon, il y a qui magie, au même en la tête, il y a brasans. Moi, si. Lelo a commis que tout le monde a été parce que Mibali a commis que PD. C'est connu de tout le monde à Braza pour avoir un poste, une nomination, Moussala, il faut payer sa ciment. Ma papa va commencer à payer sa ciment. Nous n'accepterons plus jamais ce genre de pratique au sein de notre République. Donc ça se doit partir obligatoirement sans condition. Il a déjà tout fait, le Congo l'a donné tout. Mbongo, Basi, Bandako, Richesse, on l'a donné tout. Il doit partir sans condition. Toko Tikala Kondimate que Sassou a participé à la élection présidentielle en 2026. Jamais. Ni lui, ni son fils Kiki, Toboi, Namote Mamoko. Il y a beaucoup de Congolais. Tozoata, Nordis, Moussousou, mais pas Sassou. Tozoata, Mukuyu, Mungangulu, Mouenambangi, n'importe quel Congolais, mais pas Sassou. Son fils, on n'a plus besoin de lui. Ils doivent partir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout comme il m'a dit que ma maman n'a pas de violé les sous bango. Banda qu'on a biso, pas de tombango les sous. Pas d'activité n'a biso, pas de tour yango. Mais les Rwandais, ce sont des assassins. Prenez l'exemple de ce qui se passe chez nos voisins. Tout le monde sont conscients. Ils ont maintenant constaté. Et aujourd'hui, c'est le même Sassou avec son fils qui pense qu'il faut donner 12 000 ou plus de 12 000 hectares chez les Rwandais. Par rapport à quoi? L'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, c'est donner la terre aux Rwandais. Hein? L'autosuffisance, tu dois savoir, toi, Denis Sassou, tu dois partir. Vous avez l'intérêt de démissionner. Yo na moana, vous devez démissionner. Vous allez partir. Ça, je vous le dis au nom du peuple congolais. Le soulèvement populaire arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Le soulèvement populaire arrive soon. La date sera communiquée ultérieurement. On va envahir le domaine présidentiel de Sassou Nguesso, toute la population. Nous allons partir direction domaine présidentiel de Sassou Nguesso. Après là-bas, on part direction palais du Parlement. Donc Sassou, yo, il faut ébaquer. Nous sommes fatigués. Nous n'accepterons plus jamais de voir nos parents souffrir à cause de toi pour se maintenir au pouvoir. Ça ne passera plus jamais au Congo. Donc, peuple congolais, la jeunesse congolaise de partout dans le monde, réveillez-vous, mobilisez-vous, informez-vous les uns les autres, dans des maisons, dans des taxis, dans des bus, au travail, partout où vous allez, il faut informer les autres. Soyez seulement attentifs à l'écoute. Le jour, la date sera prononcée, tout le monde, à Brazzaville, direction palais présidentiel. On finit avec Sassou, on part directement au palais du peuple, au palais du parlement. On va pas seulement Sassou. 40 ans de pouvoir, il a échoué. Donc, ton plan machiavélique, je dis bien, ton plan machiavélique, nous, on les maîtrise très bien. Osana de Boussouté, côté Okubima. Place à Okubimezate, tu dois partir. C'est de ça qu'il s'agit. Peuple congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous. De partout, je te trouve,
Il faut être attentif. Lorsque vous êtes au Congo, dans n'importe quel département, n'importe quelle ville, n'importe quelle circonscription, n'importe quel arrondissement, soyez vigilants. On connaît qu'il y a des traîtres de la nation, les traîtres de la République qui sont là. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Oh, ils ont bougé, ils ont emprunté. Les Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous. De partout, je te trouve, il faut être attentif. Lorsque vous êtes au Congo, dans n'importe quel département, n'importe quelle ville, n'importe quelle circonscription, n'importe quel arrondissement, soyez vigilants. On connaît qu'il y a des traîtres de la nation, les traîtres de la République qui sont là. On leur maîtrise à travers leur langage. Mais tous les traîtres-là, pointez-le le doigt. Le jour viendra, on va s'occuper d'eux. Un par un, les maisons seront brûlées, leurs voitures seront brûlées, seront détruites. C'est de ça qu'il s'agit. Gomez. Tous ceux qui sont des traîtres de la République, là, sachez-le que nous, la population congolaise, nous avons deux cartons là-bas. Le jour viendra le soulèvement populaire, on va s'occuper de vous tous. Il y a un problème de connexion, là, je ne comprends pas. De convenablement. Le reste, là, ils doivent passer à la justice. Moi, prenons Babo Tchabakur. Les Congolais, tout le monde, TV, compte, les Rwandais viennent nous saboter chez nous à cause de Sassou pour se maintenir au pouvoir. Il faut être malade. Sassou nourrit qui? Là, c'est bon la connexion parce que j'ai un problème de connexion. Donc, laissez tomber. Voilà pourquoi ma page n'a pas la vidéo. Ma page n'a pas bloqué. Ma Pessinga, 3000 et quelques jours d'interdiction sur Facebook. Je peux que partager. Je ne peux pas faire des vidéos, chers amis. C'est fou, non? Sur les 3500, là, vous divisez ça par 365 jours, chers amis. Vous imaginez, ça fait pratiquement 9 ans. Ma Pessinga, interdiction à Facebook. Donc, c'est dinguerie, c'est fou. Donc, chers amis, je vais revenir vite fait, parce que là, il fait tard, là. Je vais parler par rapport à la Constitution. Cours de téléchargement. Au moment que les Congolais sont dans la distraction totale. Au moment qu'on va encore distraire les Congolais. Et si vous vous souvenez ici, la salle de vidéo, quand on a dit, « Eh, ben, Rwanda, n'a pas zoyaka. » Ils feu vert, ils vont attendre le bon moment pour pouvoir soutenir la personne qui sera choisie, si c'est un dauphin de Sassou ou si c'est lui-même, le vieux Dengues lui-même. Donc aujourd'hui, les lots de Tozolobaboué, Bazako est chapeauté, Bazako fouillé. Comment faire pour changer la constitution, pour permettre au dauphin d'être à côté de papa, ou peut-être au cas où papa n'est pas là, ou l'oncle n'est pas là, de prendre le pouvoir. Et donc le grand problème qui se pose, c'est le problème au Bazolo, la cession, il y a terre. Oyoba Rwanda on attend bas déjà dans ma belle bas osé la feu vert caca en cas de ceux qui m'a quand vous changer comme vous allez voir dans l'armée congolaise papi n'a plus confiance de la même façon qu'il a divisé les Congolais de la même façon qu'il a fait ce que les Congolais se trahissent entre eux au sein de l'armée congolaise il y a aussi ceux-là qui ne veulent plus de la façon dont papi en train de faire les choses. Mais bon monde est là, tabac congolais, pour faire changer les choses, pour dire à papi, non, là, papi, on peut pas. Ceux qui ont négocié, ceux qui ont sorti, ils arrivent pas, ils ont peur. Parce qu'avec papi, quand tu fais ton coup, quand tu rates, cher ami, quand tu rates ton coup, tu as appelé dauphin. Tu as appelé dauphin. Soit prisonnier politique direct, comme les Moukoko et Okombi. Courage et force à Okombi et Moukoko, on sait qu'ils vont sortir. Donc ce qui se passe, quand il y a distraction,
quand nous parlons des armes qui ont été dérobées au port de Pointe-Noire, les gens criaient ici, les gens disent non, ce n'était pas vrai. Est-ce que vous vous souvenez? Les armes dérobées qui étaient arrivées au port de Pointe-Noire, les cargaisons des armes. Jean Gouty, bonsoir. Des cargaisons des armes qui ont été... Il y avait un conteneur qui avait disparu au port de Pointe-Noire. Les gens avaient crié, non, 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 où est l'article là? Je l'ai mis même à côté ici. Mindokyo, Baron Bakindago Somba, en Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Bah, tu vois, avion, oh, avion diplomatique, on ne peut pas fouiller, on ne peut pas contrôler. Maintenant, c'était pour que le Congo et Bundana, bah, quel mot qu'ils en a conflit, selon vous. Au moment que les Congolais sont dans la distraction, eux, ils étaient en train de planifier leur plan. Eux, ils étaient en train de planifier leur plan. Aujourd'hui, quand on parle comme ça, le papy a déjà positionné les jeunes qui vont remplacer les vieux. Est-ce que c'est un système où il va prendre la porte de sortie pour laisser une nouvelle génération? Point d'interrogation. Ok? Est-ce que il va se dire que bon, j'ai trop fait, je veux prendre la grande porte. Mais est-ce que s'il accepte de prendre la grande porte, les gens qui l'ont imposé aux Congolais vont accepter? Parce que le vrai problème, il est là. Est-ce que ces gens-là sont prêts à accepter que Sassou puisse sortir par la grande porte? Yolande Malonga, bonsoir. Bonsoir, je vois qu'il y a une marche. As-tu des informations, s'il te plaît? Merci, on ne peut pas donner notre pays à Kagame. Merci, maman Yolande Malonga. Je pense que la marche, il y a la marche, comment on appelle, Ziana TV aussi, ils ont lancé une marche. Il y a aussi... les mamans Joséphine Bantimba, Nadège Pondi, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde. En tout cas, moi j'étais aussi, j'ai participé à une réunion là, voilà, par rapport à la marche. Mais en tout cas, les dates ne sont pas encore données et il y a aussi le collectif du ras-le-bol de Chris Dongui et Chris Bouti aussi, voilà, donc il y a beaucoup de Congolais. Donc, les dates, j'en ai pas encore, voilà. Mais dès que c'est bon, je vous mettrai des dates sur mon Facebook. Parce qu'on n'a que maintenant ce Facebook pour communiquer. Vous voyez qu'on a même du mal à se communiquer parce qu'on est en train de signaler la connexion bug. Ça me met tentative de connexion. Sur ma page, on m'a bloqué pour 3000 et quelques jours. Donc, 9 ans. Cœur d'Afrique, bonsoir. Donc là encore, connexion longue. Donc, chers amis, quand on parlait de ça, quand on annonçait cela aux Congolais, les gens nous prenaient, ils croyaient que c'était des blagues. Vous croyez que ces armes-là qu'on va acheter, si vous avez des frères dans l'armée, pourquoi des armes qui ont été empilées, tout va même avec une télé, va même tout Nanzela le Nord? Pourquoi? Maintenant, les armes qu'eux, ils vont acheter, le Congo, à quel conflit? Le Congo veut peut-être sécuriser quelles frontières parce que nos frontières sont des passoires. Et aujourd'hui même, on veut chercher des poux entre eux sur les têtes des autres. Aujourd'hui, il y a une grande guerre sur la défaillance sécuritaire. Donc, il y a le ministre de l'Intérieur qui est là. Il y a le patron de la police, Jean-François Ndengue, qui est là. Qui travaille, qui ne travaille pas. Nous, on n'est pas là pour dire un tel ne travaille pas, un tel travaille. Mais le problème qui est là, chers amis, il faudrait que vous puissiez le comprendre. Même entre eux, il y a des gens qui boycottent le travail des uns et les autres. Entre eux, je dis bien, entre eux, boycottent, sabotent le travail des uns et les autres. Donc, vous voyez, même au sein même du premier ministre, il y a eu même des gens qui ont boycotté même son propre travail. Sur la communication. Au départ même, on entendait même Yena Thierry Mungala et Simbate. Ça, les Congolais du profond, ceux qui sont sur le terrain le savent. Il fallait réparer cela à une vitesse de TGV pour camoufler. Donc il y a du sabotage entre eux.
Parce qu'il y a d'autres qui ont envie, qui pensent que non, l'autre ne travaille pas bien, moi je dois avoir le travail, je dois avoir la place de l'autre. Donc ils peuvent avoir que non, l'autre peut mieux travailler. Mais comme ça doit passer par l'autre, l'autre en train de boycotter le travail de l'autre, pourquoi on dit que non, bon voilà, c'est le problème de Ndengue. C'est Ndengue qui n'a pas travaillé. C'est le problème de Mboulou. C'est Mboulou qui n'a pas travaillé. Nous, on ne dira pas que c'est le problème de Mboulou, c'est le problème de Ndengue. Nous, on dira que non. C'est le problème de ce gouvernement. C'est le problème d'abord de la tête. Parce qu'on ne doit pas commencer d'abord à pointer du doigt juste à ceux qui sont bas. Parce que le jour que Sassou va décider de dire que non, je vais appliquer la discipline, tous ces ministres vont se mettre au pas. Mais puisque M. Denis Sassou Nguesso lui-même, il sait qu'il a donné tellement le pouvoir à certaines personnes, et que ces personnes sont devenues nuisibles. Au jour d'aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso ne peut pas prendre une décision décisive sur ces personnes, parce que ces personnes-là vont déstabiliser au retour son pouvoir. C'est ça qui est le vrai problème. Désolé, Namela Mamaï. Aujourd'hui, comme je le disais toujours, c'est que M. Denis Sassou Nguesso, il n'aura que deux choix pour nettoyer son image, pour écarter ceux qui salissent son image et pour sortir, mourir en paix et laisser la nouvelle génération. Si ça serait un Mbouchi, si ça serait un Bateke, je ne sais pas qui va prendre le pouvoir, au moins qu'il puisse mourir dans son propre pays. Mais ça, il ne peut pas. Ça, il ne peut pas décider parce qu'il sait que non. Il n'a pas confiance parce qu'il a eu à promettre des gens son propre poste, le même fauteuil, avant que les Kiki viennent s'imposer aussi, avant que les Claudia viennent se montrer aussi que c'est la fille à papa. Et aujourd'hui, ces gens-là, ces enfants-là sont devenus même nuisibles. Et ces enfants-là, pour d'autres ministres, pour d'autres généraux, ces enfants-là peuvent leur créer, peuvent leur mettre encore dans la merde. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, ce que nous on disait hier, les gens commencent à comprendre cela aujourd'hui. Aujourd'hui. Bonsoir Étienne Philippe. Donc ces armes que Sassou partait acheter, c'était pour sécuriser le Congo? Non, parce que le Congo est déjà dans l'insécurité. Maintenant, c'était pourquoi, chers amis, ces armes-là? C'était pourquoi? Aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, je veux vous le dire ici, parce que il y a la vérité, il y a prophétie, il y a même un lobby, après le lobby, et salami. M. Sassou, pour la banane, il y a bien dans le Congo, dans le Congo-Brazzaville, après sa mort, ce qu'il peut faire pour protéger ses enfants, c'est de nettoyer tout cela qu'il a récompensé. Voilà pourquoi il ne peut pas le faire à découvert aujourd'hui. Parce que ces gens-là aussi ont pris des précautions, chers amis. Ces gens-là ont pris des précautions dans le sens que même au sein même de la présidence, ils ont eu à mettre des gens ici et là. Éloge Elpa, bonsoir. D'où Sassou, quand il a compris cela, les enfants se sont dit, il y a un tel qui est dangereux. Donc il faudra qu'on fasse très attention parce que le pouvoir doit nous revenir. Ils ont commencé maintenant à vouloir mettre des générations qui pourront protéger leur père en cas de... Si tombe encore la position, il y a vous diriger Mbokate. Ou s'il n'est plus là, comment ils vont se protéger entre eux les enfants? Ils sont conscients. Et ils le savent très bien que si les autres prennent le pouvoir là, le jour que papa ne sera pas là, nombreux vont se retrouver en exil à vie. Je dis bien, nombreux vont se retrouver en exil à vie. Donc, vous aujourd'hui, vous avez vu cette vague des généraux, des colonels majors, au fait qu'ils sont stationnés comme des garde-fous. Ce sont ceux-là qui vont sécuriser au cas où papy va prendre la décision finale. Mais cette décision, c'est ça où est le problème.
Le grand problème se trouve là. Parce qu'au sein de ce pouvoir-là, il y en a ceux-là qui sont même du PCT qui ne sont pas d'accord sur la cession des terres. C'est ça le problème. Qui ne sont pas d'accord sur la cession de terres, même s'ils ne le disent pas, mais derrière certains canaux, Tozo Yokana, Tozo Pesana, ben information Ezo Lekana. Est-ce que vous comprenez? Ben formation Ezo Lekana. Et même les enfants qui sont à l'initiative de cette cession des terres, c'est Kiki. Il y avait un document qu'on vous avait présenté ici, si vous vous souvenez. Là où ils avaient créé leur comité, il y avait Kiki Christelle qui était un peu sous forme du président. Il y avait le ministre des Affaires étrangères, comment on appelle, Ngakoso qui était dedans. Il y avait le premier ministre qui était dedans. Il y avait au moins 7 ou 6 ministres qui étaient dedans. Si vous vous souvenez, on vous avait montré des vidéos ici. Christian Otouli, bonsoir. D'accord de ce que vous dites. Merci Christian Otouli. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, chers amis, ils vont nous mettre une distraction. Ils vont mettre vraiment l'argent pour créer la séparation, la division. Ce n'est que par la séparation, par les trahisons là, qu'ils vont accomplir leur plan machiavélique. C'est derrière ce plan-là, quand ils vont décider là, et que les Congolais vont refuser, qu'il y aura une bonne partie des militaires, des gendarmes, des policiers qui vont dire non. À partir de là, les agriculteurs rwandais que vous entendez là, ils vont se servir des armes. L'article est là, je vais vous montrer. Bonsoir Elisa Kikika. Kiki est là. Bonsoir maman. L'article est là. Attendez, je vais vous montrer l'article, vite fait. Ils vont nous mettre la distraction. Ils vont nous séparer encore. La trahison. La trahison. Attendez. Je vais essayer d'envoyer l'article sur le PC. Donc aujourd'hui, papy, pour que Bananaye, Bakenena exil à vite, il doit envoyer ces gens-là à la retraite. Bonsoir, Doyen Jean-Martin. Il doit envoyer tout cela qui sont dangereux. Désolé. Tout cela qui sont dangereux, qui ont sali son image, qui n'ont pas sali son image, qui ont, au fait, pour que M. Denis Sassou Nguesso puisse faire des années qu'il a eu à faire au pouvoir, c'est parce que ces gens-là ont tué au nom de M. Denis Sassou Nguesso. Bien qu'ils ont abusé de leur pouvoir, ils ont fait leur règlement de compte aussi, avec des innocents, pour que le pouvoir rwandais est à en place. Mais Bato Obazo Pesa Sassou Nguesso va comprendre que non, pour maintenir le pouvoir, pour que Sassou ou Bananaï va qu'il en exil un jour, il faudra déjà Koutinda Bato Msou na ba retraite. Il faudra déjà qu'on écarte Bato Oyo ba bébé sa réputation y a République. Parce qu'il faudrait comprendre un truc, chers amis. C'est vrai que Sassou est venu par des armes, ok? Il a pris ce pouvoir par des armes, il est venu par la violence, il a imposé la terreur. Il a utilisé ces gens-là pour maintenir la terreur, pour que les Congolais aient peur de son pouvoir. Maintenant, il sait que non, là où il est en train de partir, Nzele Komi Mokie, n'a côté à Outi. Azan a besoin pété, banane bagi no koufa en exil. Azan a besoin que banane pe batikala. Mais pendant qu'on bima par grande porte, le problème c'est qu'à couper sa pouvoir, on a nani. C'est ça le grand problème, à couper sa passation, pour ça, là, on a nani. Parce que ce qui a dit, il y a trop de guerres, il y a trop d'écuries. Ils vont créer, ils vont faire la merde. Donc, d'où, bangotou, babanga kaka sasou. D'où il faut précipiter ma kambo misusu. Mais Sassou na plombé na ye, c'est que
il faudrait qu'il y ait une force extérieure, comme toujours, qui sera positionnée sur le territoire même. Parce que au cas où, c'est cette force qui va affronter l'armée régulière. Retenez ce que je vous dis. C'est cette force qui va affronter, désolé Mamaï, c'est cette force extérieure qui va affronter l'armée régulière. Je vais vous mettre l'article là. Vais vous mettre l'article. Après, on va prendre vite fait le sujet de Ziana TV. Voilà l'article. Je vais vous lire vite fait le document déjà, et puis je vais vous montrer. Je vais vous lire vite fait ce qui va se passer. Ndenge Salama na Togo. Vous savez, na Togo, bah, du quelques. Ils ont pris quelques députés. Ils ont changé CG directement. Pouf! Changement de la constitution. Au Congo aussi. Coupé sa mbwa. C'est ce qui va se passer. Voilà. Je vais lire vite fait et puis on va regarder l'article là où ils étaient allés acheter des armes. Nouvelle constitution en téléchargement. Noyé dans des distractions et prenant d'assaut des églises de réveil et d'autres, le peuple distrait du Congo-Brazzaville est loin de douter que le changement majeur sont en cours. Des manœuvres visant l'implantation de militaires rwandais dans tout le sud via des cessions de terres, ce qui se joue sur les bergers du fleuve Congo. C'est la survie du pays. Les amendements de la Constitution de 2015 sont en cours afin d'assurer une cession quasi monarchique. Que devrait-il avoir donc? Donc, dans le breuvage empoisonné qui sera servi aux Congolais. Création d'une vice-présidente que devrait assurer Christelle Sassou Nguesso, qui, en cas de décès ou vacance de pouvoir, assurerait les fonctions de président de la République. Laisser conclure du changement de la Constitution au Togo, où l'élection présidentielle se passe au Parlement. Le Congo-Brazzaville fera la copie-collée. Je répète encore. Nouvelle constitution en cours de téléchargement. Noyé dans des distractions et prenant d'assaut des églises de réveil et autres, le peuple distrait du Congo-Brazzaville est loin de s'en douter que des changements majeurs sont en cours. Des manœuvres visant l'implantation de militaires rwandais dans tout le sud via des cessions de terres, ce qui se joue sur les bergers du fleuve Congo, c'est la survie du pays. Des amendements de la Constitution de 2015 sont en cours afin d'assurer une succession quasi monarchique. Que devrait y avoir donc dans le breuvage empoisonné qui sera servi aux Congolais? Création d'une vice-présidence que devrait assurer Christelle Sassou Nguesso, qui, en cas de décès ou vacation de pouvoir. Attendez. Qu'est-ce que je fais là? Vacation de pouvoir, attendez, vacances de pouvoir assurerait les fonctions du président de la République. Laissez conclure. C'est quoi c'est? Laissez conclure du changement de la constitution au Togo, où l'élection présidentielle se passe au Parlement. Le Congo-Brazzaville fera la copie-collée. Voilà. Donc, Wana moi aperçu na pesibino ne loko obazo préparé. La question qu'on se pose, chers amis, les armes qu'ils achètent, c'est pourquoi? Le Congo est en conflit avec quel pays? Déjà au sein, au fait, dans le territoire congolais, les Congolais vivent dans l'insécurité totale.
Aujourd'hui, il y a même des gens qui veulent en profiter pour mettre le problème sur certains entre eux, avec qui ils ne s'entendent pas dans ce gouvernement. Il y a des gens qui veulent en profiter pour mettre le chapeau sur un tel, pour dire qu'un tel qui devrait rassurer, qui devrait sécuriser les Congolais n'a pas fait son travail. Peut-être c'est un tel qui n'a pas fait son travail. Mais entre eux aussi, il y a ceux-là qui sont en train de saboter le travail de l'autre. Mais qui sabote le travail de qui? Qui sabote le travail de qui? Aujourd'hui, dans le gouvernement de Sassou, il y a des ministres qui règlent leurs comptes aux autres ministres. Au fait, ce n'est pas le ministre en un mot, mais un clan, une écurie qui règle ses comptes sur une autre écurie. Donc ça fait en sorte que toi qui es le chef, tu as des adjoints, tu as des directeurs qui devraient, comment dirais-je, respecter l'ordre que tu vas leur donner. Mais quand tu donnes l'ordre, ces gens-là sont en train de boycotter, sont en train de saboter ce travail. Et le problème reviendra sur toi, le chef. Le problème reviendra sur toi, le chef. Et là, aujourd'hui, c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, chacun a ses responsabilités. Mais le grand responsable dans tout ça, là, c'est Denis Sassou Nguesso. Et s'il n'arrête pas cette guéguerre qui se passe entre ses jambes, entre ses pieds, cette guerre à laquelle il s'est toujours utilisé pour se maintenir et pour comprendre ce que pensent ses alliés, ce que pensent ses collaborateurs, cette guerre-là le fera fuir le pays. Parce que dans cette guerre-là, il y a ceux qui veulent la tête des autres. Il y a ceux qui veulent le poste des autres. Il y a ceux qui veulent la disparition des autres. Et cette guerre aujourd'hui n'arrange pas Denis Sassou Nguesso, parce que cette guerre-là a fait en ce que chaque écurie a ses deux pieds sur terre. Chaque écurie a planté ses éléments même au sein de la présidence. D'où vous comprendrez que Denis Sassou Nguesso, à chaque moment, après quelques mois, après 6 mois, il y a toujours une vague de nouvelles nominations, des jeunes, pour essayer un peu de casser tous les plans qui pourraient être tout autour de lui. Il le sait. Mais aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso ne peut même pas décider sur ces éléments à lui. De les envoyer à la retraite même. Il ne peut pas. S'il le fait, c'est fini. S'il le fait, chers amis, c'est fini pour lui. Sur les armes achetées, c'est pas moi qui le dis, c'est RFI. Hein. Ça y est là, c'est RFI. Je vais tourner ma caméra là. C'est pas Faye qui le dit, c'est RFI. Sur les armes achetées. Je vais vous mettre là. Sur l'ordinateur, vous allez voir. Et j'ai toujours appelé à ce papy-là. Il serait temps de penser à ses enfants. Parce que sinon, bananaye monko. Bah aucun exil. Sinon, banane moko ba okin d'exil. Défaillance totale sécuritaire. Lui-même, il sait qu'il n'a plus confiance à cette sécurité. Il y a des gens. Ce n'est pas M. Denis Sassou Nguesso qui prenait des étrangers pour ramener au Congo, n'est-ce pas? Mais les étrangers qui ramenaient au Congo pour les élections, pour les législatives. Mais ces mêmes étrangers qui ramenaient là. Ces éléments, ces lieutenants à lui, aujourd'hui, ils contrôlent une bonne partie de ces étrangers auxquels ils travaillent même avec eux. Je mets au défi le procureur de la République de nous dire pourquoi sur l'affaire de Sephora, de Wesso,
il n'a pas eu l'énergie qu'il a eu sur cette affaire qu'on vient de voir de notre sœur aussi qu'on a tuée par un sujet guinéen. Pourquoi il n'a pas eu la force? Pourquoi ils n'ont pas secouru? Ils n'ont pas sauvé la petite Sephora? Parce que dans l'affaire de la petite Sephora, chers amis, chers compatriotes, il y a des complices qui sont au Congo-Brazzaville. Arnaud Bakouka, bonsoir. Il y a des complices qui sont au Congo-Brazzaville. Et il y a un nom de Nguesso. Je ne citerai pas le prénom, mais il y a un nom de Nguesso qui est connu, qui est dans cette affaire-là. Je mets les gens au défi. Allez-y voir la vidéo du Camerounais qui a assassiné Sephora quand il commençait à dénoncer, à dire les noms des gens ou des pays de ses complices. Quand il a cité le Maroc, et quand on l'a demandé, et au Congo, quand il a voulu parler, vous allez voir, la vidéo a été coupée net. Tac. Ces criminels-là, ils ont le laissé passer. Quand je dis le laisser passer, ils ont le feu vert. Ils ont des complices au Congo-Brazzaville. Ils ont des complices au Congo-Brazzaville. Sur l'affaire des visas, il y a même des noms d'Nguesso qui ont été cités sur l'affaire des visas. N'est-ce pas? Bonsoir. Bonsoir. Il y avait un nom d'Nguesso qui a été cité sur l'affaire de... Comment on appelle? De visas. Et là, sur l'affaire de la petite Sephora, pourquoi le procureur de la République n'a pas eu la force, le courage, la même énergie qu'il a eu pour notre soeur perdre son âme? Parce que sur l'affaire de Sephora, la petite Sephora, bien que lui-même, au Congo, il a dit que c'est un crime du sang, mais c'est un crime rituel. C'est un crime rituel. L'autre, on l'a étouffé. Ouais, ça, on peut dire que ce sont des démons qui l'ont habité, qui l'ont poussé, je ne sais pas quoi. Mais pour Sephora, c'est un crime rituel qui se passe en coulisses à huis clos, à Ouesso, depuis un bon moment. Que les gens n'en parlaient pas. Le trafic des organes du Maroc au Congo. Vous allez voir encore, on n'aura pas la suite. On n'aura pas la suite. On va repartir, je vais vous montrer l'article des armes. On ne fait que acheter des armes. On ne fait que acheter des armes. Comme si le Congo était en guerre. Ça y est, là, l'article. C'est pas moi, c'est RFI. Révélation gênante d'Anonymous sur les commerces d'armes en Azerbaïdjan. Ce n'est pas moi, ça y est, là. Ça y est, là. Ça y est, là. Nous, quand on parlait, les armes au Congo-Brazzaville. Quand on parlait des armes au Congo-Brazzaville, les armes, le conteneur d'armes, des conteneurs d'armes. Oui, Komaka, na Congo, il y avait un conteneur qui avait disparu. Mettez-moi les cœurs quand même. Pendant que je ma vidéo, je vais signaler un peu de problème. Voilà. Dans des documents révélés par les hackers du groupe Anonymous, on découvre que l'Azerbaïdjan a facilité de nombreux transferts d'armes sous couvert de vols diplomatiques, un abus de procédure qui concerne des armes destinées au monde entier. Donc, ils ont utilisé les vols diplomatiques, les vols présidentiels pour acheminer des armes. Parce que les gens vont dire, non, Faye, tu es en train de mentir, on va lire vite fait. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. On va prendre le deuxième sujet là où les Congolais m'attendent. Vous voyez, la date est là. Publié le 28. Septième mois. Voilà. On va lire ici. L'article est là. On va lire vite fait sur le Congo.
Maintenant, ces armes-là, est-ce que le Congo est en guerre? Attendez, on va lire vite fait. Est-ce que le Congo est en guerre? Attendez. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où. Europe, l'Est, tatati, tatata, attendez, hop. Et c'est où? Bozotangananga, parce que. Et. Chers amis. Attendez, attendez. Là, c'est bon, ok. Au début du mois de juillet, ce sont des centaines de documents qui ont été volés à l'ambassade d'Azerbaïdjan de Sofia, en Bulgarie. Selon celle-ci, il s'agit d'un piratage informatique. Les membres d'Anonymous Bulgarie qui nous ont remis des documents parlaient, eux, plus volontiers d'une fuite. Dans tous les cas, entre les échanges de mails entre diplomates sur le tourisme en Europe de l'Est et les comptes rendus sur le conflit avec l'Arménie, une liste de transferts d'armement par avion soulevait diverses questions. De nombreux formulaires signés par Azerbaïdjan et des pays partenaires dressent la liste vol effectuée entre 2015 et 2017 pour une majorité sur des avions de la compagnie nationale Silkwell Airline. Des vols qui ont bénéficié pour la plupart, l'autorisation diplomatique tout en transportant de l'armement vers des destinations très variées. Sans être illégal, les pays survolent ayant donné leur accord, cette pratique transgresse la raison d'être de la couverture diplomatique. Ok? Donc ils ont utilisé les vols diplomatiques pour acheminer des armes. L'Azerbaïdjan, plaque tournante des ventes des armes. L'un des principaux clients de ces prestations est américain. Le commandement des forces spéciales USOCOM a mandaté une série de compagnies privées. Purpli Chauffe, ah oui, comme il va anglais, hein? Military Production Culture, bon, comprenez. Aucune n'ayant accepté de répondre à nos questions. Dans le cadre du programme Livraison d'armes ou standard non américain, ces sociétés livrent ainsi des armes achetées en Europe de l'Est à des groupes armés syriens et kurdes formés par l'armée américaine, notamment en Bulgarie. Silkwell Airline a profité de vols diplomatiques pour assurer la logistique. Voilà. Voilà le Kakota, République du Congo. Voilà là où je cherchais. L'Arabie Saoudite revient également à de nombreuses reprises dans ses listings, toujours en recourant à Silkwell Airline, RIA, a multiplié les livraisons d'armes sous couverture de vols diplomatiques, dont certains à destination de la République du Congo ou de l'Afrique du Sud. Voilà là où je cherchais, chers amis. Voilà. Voilà là où je cherchais. Donc, bisotant tozola là, bango bazo somba minduki. Minduki na pona ko servir banani, pona ko bunda contre banani. Ba frontière na biso pe ka poleli. Merci Gomez. Donc, lelo,
Bah congolais bah quoi on encore vraie distraction il y a ma distraction. Bah congolais bah quoi on vraie séparation il y a ma séparation. Ce to continue la séparation ce qui signifie que non il y aura des gens qui vont mourir dans l'opposition. Il y aura des gens qui vont se dire bon écoutez qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut aller combattre au pays, il faut aller au pays, il faut aller voir. Ça serait comme ça. C'est-à-dire, Oyo, les Congolais, là, vous comprenez, eux maintenant, ils jouent à la division totale. D'où vous allez comprendre pourquoi. On va parler de la trahison sur Ziane TV, on va parler un peu. Pourquoi ce genre de trahison, et il y a quelqu'un à un moment décisif, au côté de Batouba, comme il est concentré dans Makambo. Parce que tant que vous serez unis là, pour eux, ça ne leur arrange pas. Vous allez trop mieux sur le fungwama. Nous, quand on parlait de l'affaire des Rwandais, les gens regardaient comme ça. Mais là, tout le monde est en train de pleurer. Le Congo est dans l'insécurité. Il y a ceux-là aussi qui sont dans ce gouvernement qui veulent en profiter dans cette insécurité-là. Mais nous, on les regarde. Nous, on les regarde. Vous voulez que nous, on fasse quoi? Vous voulez qu'on commence à citer les noms? Non, nous, on les regarde. Mais entre eux, ils savent que non. Oyo, Azo Lingaboué. Oyo, Azo Lukaboué. Mais ils n'ont pas la force là d'aller arrêter telle personne parce qu'ils savent que telle personne, il est parmi ceux-là qui veulent encore déstabiliser ce pouvoir. Entre Bango, il est banni. Mais comment aller arrêter l'autre alors que l'autre a maintenant des éléments, il a aussi des armes. Tu as des généraux, j'ai des généraux. Tu as l'armée, j'ai l'armée. Tu as des gens dans telle tête, moi aussi j'en ai. Tu as des ministres, j'ai aussi des ministres. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, on va rentrer directement sur ce qui se passe avec Ziane TV, cette trahison-là. Vous allez comprendre pourquoi cette trahison-là, vous allez comprendre pourquoi cette déstabilisation de la matinale-là vont persécuter, vont diviser même cette diaspora ou vont créer encore des polémiques à la con au moment que Landry de Kokoré réfléchirait au PSAB une information. Je vais vous dire un truc. Vous savez, il y a des choses que parfois je ne suis pas d'accord avec le doyen Landry de Kokoré. Est-ce que vous voyez? Mais, à aucun cas, je veux vouloir que ennemi, nanga ya lobby, parce qu'ils sont contre mon ennemi d'aujourd'hui, que je devienne ses amis. Et vous allez comprendre que le PCT a toujours travaillé ainsi. Le PCT, il va vous mettre même des gens qui vont faire des actions avec vous. Non, remets-moi la lumière, s'il te plaît. Ils vont vous mettre des gens qui vont faire des actions avec vous. Ils vont vous mettre des gens qui seront toujours là à vous montrer que non, ils sont avec vous. J'accuse personne, hein. Mais je vous dis, je vous explique les méthodes parce que moi-même, j'ai vécu, j'ai eu que des trahisons. Vous le savez très bien. Vous avez vu des gens auxquels on a eu à faire des actions. Et à la dernière minute, on a clamé nos ennemis. On mangeait avec nos ennemis. Mais aujourd'hui, ils ont tous disparu parce qu'ils n'étaient pas dans le vrai. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait que vous le sachiez que Ziane TV, Tolingato Lingate, il y a des trucs parfois qui disent, moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux fois, on discute aussi avec Landry de Kokoré. Il y a deux fois, on discute aussi avec le doyen Sir Makosso. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une dimension de faire des choses que tu comprends, là, c'est carrément la déstabilisation totale. Et cette façon de faire des choses, ça en profite à qui? C'est à partir de là que vous devrez vous poser des bonnes questions. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui sont au sein de ce régime, pas qu'ils ont peur, mais quand ils se réveillent, ils demandent à leurs petits, est-ce que Ziane TV a cité, la matinale a cité mon nom là-bas? Est-ce que je n'étais pas dans la liste des gens que la matinale entre deux dire? Parfois, les trucs qu'ils peuvent dire, parfois, c'est pas tellement ça, mais il est quand même dans le sujet. Il est quand même dans le sujet. Moi, quand je pointais du doigt ici à tous ces voyous-là, si vous vous souvenez, quand le 17h de dimanche a commencé, moi, on m'a présenté comme un gars barbare. Moi, Faye, on m'a présenté comme un gars violent. Les autres résistants, dans le vrai, on nous a présenté comme des gens infréquentables. Ils ont pris même ceux qui étaient nos amis, qui étaient devenus les ennemis du peuple, des traîtres du peuple.
qui travaillaient pour ce régime. Ils les ont donné le plateau. Il y a eu même des gens qui sont passés dans leur plateau pour diaboliser Farid. Mais moi, je savais que ce n'est pas moi qu'on veut diaboliser. C'est le peuple qu'on avertit. C'est le peuple qu'on réveille, qu'on touche, qu'ils veulent atteindre. Voilà pourquoi, coûte que coûte, fallait éteindre Faye. Ok? Eliodo, bonsoir. Fallait éteindre Faye, coûte que coûte, dans tous les moyens. 123 plaintes. Je les ai nettoyées tout. Ouf. J'ai eu des plaintes avec toute catégorie de la classe politique du Congo-Brazzaville. J'ai dit toute catégorie. Ils ont dit que non, ils vont affaiblir Faye. Amende sur amende. Amende. Des fois même, tu es soufflé, tu es fatigué, mais tu ne peux pas lâcher parce que si tu montres que tu es touché au fond de toi, les gens qui te suivent, les gens qui font maintenant, qui deviennent même des représentants du peuple, même dans des TikTok, ces jeunes-là vont s'affaiblir, ils vont être choqués parce qu'il ne faut pas les. Il ne faut pas montrer que tu es touché. Mais deux fois, tu dors comme ça, tu n'arrives pas à dormir. Tu regardes comment les gens sont en train de comploter devant toi. Comment sont en train de passer sur Ziana TV. Les combattants, oh non, c'est des voyous, oh non. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est la célébrité. C'est l'aura que les gens combattaient. Je ne dis pas que c'est Ziana TV qui combattait, mais les gens du PCT qui étaient rentrés au sein de cette chaîne, qui étaient rentrés au sein des émissions qui ont été créées pour salir, pour détruire le combat qui éveillait cette jeunesse, qui mettait cette jeunesse dans l'engouement. Quand on demandait, on disait que non, on va descendre sur les terrains. Les gens quittaient Bordeaux. J'ai vu des légionnaires quitter Bordeaux, quitter la Belgique. Les gens quittaient des villes et des villes pour venir manifester avec nous. Mais sur les mêmes chaînes, moi je ne les ai pas combattus, mais j'ai dû à dénoncer cela. Sur les mêmes chaînes, ils ont pu quand même diviser les Congolais. Sur les mêmes chaînes, ils ont pu quand même mettre leur virus au sein de cette diaspora. Parce qu'au départ, nous, on ne voulait pas qu'il y ait la présence du PCT dans la diaspora. Mais les gens n'avaient pas compris cela. Mais aujourd'hui, mes grands frères, parce que nous ne sommes pas des gens rancuniers, mes grands frères, Landry Deco, je pense que là où il est là-bas, chers amis, je vous demande de le soutenir. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que le PCT va mettre une machine imaginaire, financière, pour le détruire. C'est ça qui est la vérité. Moi, je ne viens pas là pour vous berner. Je viens là pour vous dire qu'il faudrait que vous le souteniez. C'est ça qui est la vérité. Après, qui a tort dans leur truc? Qui a raison? Je ne suis pas dedans. Mais je vous dis, au moins aujourd'hui, mon grand frère, Ziana TV, que ce soit même lui-même Sir Makosso, qui est le créateur, le patron de cette chaîne, au fond de lui, ça le fait très mal. Exactement, Gaël. Ça le fait très mal de savoir que les gens, pendant du temps, ils sont en train de diffamer les gens qui ont mangé avec eux. Les gens avec qui ils ont fait des trucs. Moi, je voyais, je le salue. Mon aîné, c'est un grand frère. Yann, le nationaliste, quand on tenait l'affaire de Moukoko venir nous montrer le droit. Parce qu'on tenait le cadavre de Moukoko, parce qu'on voulait la vérité. Qui venait nous descendre sur Ziana TV. Yann le nationaliste. Un garçon intelligent. Il faut le reconnaître. Il a fait le droit. Qui venait sur même Ziana TV. Venir nous, c'est-à-dire nous descendre dans notre combat. Montrer au sein de la diaspora, au sein des Congolais que ce qu'on faisait, ce n'était pas ça. Il y en a eu combien? Les mêmes Congolais. Les mêmes Congolais les ont encouragés. Les mêmes Congolais n'avaient pas compris que depuis le Congo est Congo,
depuis ceux qui sont dans la résistance, en exil, dans des diasporas, il y a eu combien d'affaires que ceux qui s'opposent au régime de Brazzaville tiennent un dossier judiciaire à la main comme ça. Il y en a eu combien? Citez-les-moi. Même sur l'affaire des disparus de Beach, quand on a corrompu des gens, le dossier, on n'en parle plus jusqu'à présent. On n'en parle plus. Les victimes ont disparu, les gens ont disparu. L'affaire de Kolela, on est resté soudé avec le groupe La Vérité, Rien que La Vérité, et le président Ili Moussampa, que je salue au passage. Et notre doyen Tata Pierre Lenoir, qui était toujours là, en activité, de déplacer de gauche à droite pour aller récupérer l'argent. Mais sans oublier notre patriarche, le plus ancien, les vieux des vieux, qui était toujours là, que je salue. Il y a eu des intelligences au sein de Bilal, merci. On nous a malmenés, chers amis. Je vous dis, jusqu'à présent, c'est le seul dossier judiciaire.